Pour vous, c'est quoi l'éphéméride? Éphéméride? Le plaisir de sa folie? Aimer dire fêlé? Éphéméride? Proclamer l'amour, agir, dire aime et fait. Éphéméride. Sortir la tête hors de l'eau prévient plissure de la peau. L'effet mère ride. Le fait mérite. Quoi ça, les dessous de la politique quoi. L'effet mérite de, tu vois le retour. Ah vraiment, l'effet mérite. Hein. C'est prendre du recul, l'impermanence des choses, l'idée éphémère, l'effet mérite. C'est l'histoire d'un aventurier. Mais maintenant, qui cherchait son trésor? Il s'était inventé des histoires, des mythes odieux parfois, ce qui l'avait poussé à ralentir ses pulsions, devenir excellent en lui, même s'il visait des choses très ordinaires. Il passait par des hauts débats, conversant sans cesse, mais convertissant quelque chose, puisqu'il pesait mieux ce qui le portait. Si bien qu'à une autre personne, il proclamait ce qu'il avait à dire, laissant si elle n'y voyait d'intérêt. De ses idées, il en avait une vision très ordonnée. Là était peut-être sa quête, sans faire l'aumône, mais plutôt de donner ses richesses. Les homonymes l'avaient tant éclairé qu'il pouvait rendre sans reçu, invitant lui-même et son entourage à se revoir. En découlaient des rapports très organisés autour d'une idée plus vraie, très ornementée. Pour cela, il n'avait pas eu à changer, mais juste suivre le cours, ne plus être comptable, mais voir ce qui était racontable, et surtout calmer César, d'heure en heure. À être moins rigide, il devenait très original. Il était certain qu'il avait l'art de gérer, mais une chose bénéficiaire était surtout de comprendre que ce que j'ai est rare. À moins d'être très orgueilleux, la rencontre à l'autre est une mine d'or, quitte à faire des tollés et sentir l'errance, une véritable école de tolérance. Il s'agit bien de tôle, le toit, et rendre, c'est la demande de ne pas être trop enferré en soi et une certaine assise, surtout de ne pas avoir peur de se perdre et se sentir fanny. Il n'est pas si difficile de se donner. Personne ne nous pousse dans la fosse, mais se pousser plutôt à dire et sentir. Il faut se tiens dans la douceur, comme un effleur, le feu des leurs. Les choses reviennent toujours, les choses tournent. La roue du bon, c'est bien cela. Un bon en avant, imprévisible, dans n'importe quel bourg, au moment où l'on s'y attend le moins, autour d'un bourbon, allons savoir. Juste une question d'Arnaud. Est-ce le jeu que je sers, et que j'en sers à posséder eux? Une sensation simple nous éveille. La paix agit, oui ou non? Être capable de revêtir pile poil n'importe quel pelage. Tout est possible. Trésor gasmique. À ce moment, chacun dans son cocon se donne un élan, un envol, tout en respectant l'espace de l'autre. On passe de sa bulle à donner un sens à Denis. Chacun à sa place, sans être dans le déni. Et tous les œufs ne sont pas dans le même panier. On ne peut expecter de l'autre
plus qu'il n'y a à couver. Bref, s'inspecter. C'était le fumerie.